Levallois, mais qui a été disqualifié. Ligne d'arrivée pour Baptiste Demar, le numéro 10 qui a quasiment contre-gagné maintenant qu'il détache. Baptiste Demar qui est deuxième, en train de se tourner en retard. Baptiste Demar, voilà. Ah, c'est bien. Loïc, tu devais pas la courir cette course-là ? Bah, sur le papier, c'est vrai que c'était pas des conditions favorables. Maintenant, je me suis dit que dans le Normandie, on avait la cinquième chance. Donc finalement, voilà, on avait rien à perdre. Et là, aujourd'hui, j'ai raison parce que. Une victoire de groupe 2 comme ça, ça équivaut à une seconde place d'un groupe 1. Donc voilà, on n'est pas persuadé que même si on l'avait gardée fraîche, qu'on aurait été second du Normandie. Mais là, aujourd'hui, elle était bonne. Hein. Et puis, elle le fait quand même avec la manière. Il a fallu forcer dans le dernier tournant, elle allait jusqu'au bout. Oui, je pensais honnêtement au 500. J'ai dit, bon, allez, on va être 3, après 2. Mais je pensais qu'elle allait coincer l'entrée ligne droite. Mais la dernière course, déjà, elle était bonne. L'autre jour, on était 4, mais il n'y avait pas grand-chose pour la seconde place. Et puis on avait été battu juste par deux cracks pour finir. Donc non, elle prouve que c'est peut-être pas la meilleure en classe pure, mais elle en est pas loin quand même. Et donc le prix de Normandie, on y va ? Bah on est obligé, hein. De toute façon, voilà, si on n'y va pas, on n'ira jamais. Hein. Donc on y va, toujours sur la pointe des pieds, en espérant une 4-5e place, et puis on sait jamais. Merci. Nico Valls, elle a été très bonne encore. Un peu trop près pour ma... Je tiens le micro, je tiens juste les mains dans les poches. Voilà. Elle a été très bonne. Très bonne, oui, parce qu'on sait sa capacité à prendre le train à son compte, mais sur un 2100, c'est plus facile à faire que sur un 2008. Et aujourd'hui, malheureusement, il y en a un qui est venu un petit peu la challenger dans le bas de la descente. C'est ce qui l'a fait se mettre en route un petit peu trop tôt. Elle s'est mise à tirer. Au lieu d'être bien calme jusqu'en montant, elle s'est mise à tirer en pleine. Donc c'est beau de sauvegarder une seconde place avec les conditions de course qu'il y a eu. Mais bon, elle était devant, elle a fait sa course, on est très content. Elle répète les bons espoirs que j'avais sur elle. Dis-moi si je dis une bêtise, j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été aussi bonne qu'en ce moment. Elle avait fait un bon chrono similaire avec Anthony Barrier sur un 2007 ou 2008. En étant ferrée, elle marchait 14 quelque chose. Aujourd'hui, elle répète ce chrono-là. Donc non, peut-être qu'elle est en pleine forme avec sa récente victoire. C'est sûr que ça l'a mis très très bien. On recourait un petit peu rapproché, la jument était un peu plus excitée au hit. Bon, après la course, on a voulu autrement. Mais non, elle est dans sa robe de mariée en ce moment. Alors le Normandie, on y va. Normandie, on y va, c'est à voir. Les engagés et tout, parce qu'elle est tellement mieux sur un 2100, peut-être mieux prévaloir le prix des élites plutôt que de courir le Normandie, avec beaucoup de partants sur un 3000 mètres grande piste. On va voir les engagés, on l'engage de partout et on voit ce que ça dit. Franck, troisième, votre quête à sa place. Oui, je suis très content d'être troisième. Hein. Avant le coup, on aurait signé pour ça, donc non, c'est très très bien. Est-ce que pour toi, le Normandie est en vue ou alors elle est trop juste pour ça ? Bah, disons que... Pour la Normandie, ce serait plus pour se faire plaisir, parce qu'à mon avis, c'est plus une 6-7e chance. C'est plutôt risque de lui faire une course dure et puis qu'elle s'en rappelle. C'est une jument un petit peu spéciale, elle n'a pas trop de mental, donc c'est plutôt une course à éviter, je pense.